Tafahalkei, c'est un film qui, en fait, qui, que j'ai réalisé il y a un moment déjà, mais il est sorti en salle maintenant, donc il est en salle. Et à travers ce film, en fait, c'était un peu comme tout à l'heure, parce que mon intervention, c'est-à-dire, c'était un cri du cœur. J'avais juste envie de dire ce que je ressens et ce que je pense dans notre société. Et la santé n'est qu'un des éléments qui ne fonctionne pas, mais c'est tout un système qui ne fonctionne pas et qu'il faudrait voir les choses dans sa globalité. On ne peut pas laisser quelque chose d'aussi important qui est la santé de nos enfants entre les mains de politiciens avec leurs divergences, avec leurs intérêts, etc. D'ailleurs, une idée que j'ai oublié malheureusement de dire tout à l'heure pendant mon discours, c'est que, pour conclure, c'est que dans la majorité des pays où les choses vont bien, c'est, quand on regarde de près, c'est les pays où les politiciens sont le moins bien payés, où ils ont le moins de privilèges. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, pour qu'une personne puisse réellement s'attaquer au problème, il faut que ce soit par pur patriotisme et par civisme, mais pas pour des intérêts financiers, pas pour des voitures de service, pas pour des salaires, pas pour des retraites, parce que c'est très important. Et donc la personne qui doit venir là, elle ne doit pas avoir d'autre envie que de réellement servir son pays. C'est ce que je souhaite, en fait, au Maroc. C'est que la politique devienne quelque chose qu'on fait par civisme, par amour pour son pays, et non pas pour des intérêts de salaire, de facilité, etc., qu'on connaît tous, finalement, parce que je pense que ça fait partie de la solution. Aujourd'hui, Groupe Le Matin organise une conférence sur la place de la santé dans le nouveau modèle de développement. Je pense que le cinéma, comme les médias, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation des différentes parties prenantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce volet ? Je pense que oui, l'information, c'est la clé maintenant. Donc c'est une très bonne initiative de la part du Matin de faire ça. C'est un sujet d'actualité, mais qui dure depuis très longtemps. Comme c'est exactement pour ça que dans mon film, j'appelle ça une urgence ordinaire. C'est une actualité qui est devenue banale presque. C'est au quotidien. Oui. C'est devenu ordinaire, oui. C'est-à-dire que l'urgence est censée être traitée d'une manière urgente, or ça devient quelque chose d'ordinaire. Ce sujet-là, maintenant, il est d'actualité, mais en fait, il est d'actualité sur YouTube depuis des années. Donc oui, l'information est très importante. Le fait que le cinéma aussi s'attarde là-dessus, c'est encore une autre vision, un autre point de vue, mais c'est tous ensemble qu'on pourrait essayer d'arriver à quelque chose. C'est pas chacun de son côté et c'est pas chacun qui critique juste le travail de l'autre, mais simplement d'être conscient que qu'il s'agit de nos enfants. Et je pense que, par exemple, s'il n'y avait pas de clinique, s'il n'y avait pas la possibilité qu'on puisse aller se faire soigner à l'étranger, les choses iront mieux pour une simple raison, c'est que les personnes qui décident pour ce genre de secteur ne se soignent pas au Maroc, ne mettent pas leurs enfants à l'école publique. Donc, si on commençait par enlever les écoles privées, ce que je dis est complètement absurde, mais je pousse le raisonnement exprès jusqu'au bout. S'il n'y avait pas de clinique privée, s'il n'y avait pas d'école privée, et que tous les citoyens, quel que soit leur degré, leur statut social, doivent envoyer leurs enfants à l'école publique et doivent aller se faire soigner à l'hôpital public, le problème sera réglé parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. C'est très facile de dire, voilà, moi je gère ce secteur-là, mais quand j'ai un souci, je prends un avion et je vais à Genève me soigner.